Bonjour madame, avez-vous déjà entendu parler du peuple sauveur des Nyx? C'est un peuple venu d'une autre galaxie pour mener notre civilisation dans une nouvelle ère de prospérité et de paix. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez signer notre registre qui vous engage à un versement mensuel de 15 euros et témoigne de votre dévouement pour leur autorité supérieure. Ah, d'accord. Bienvenue, mes chers amis. Mélia, ravi de te rencontrer, enfin. Et tu es ? Bob. Enfin, je vous retrouve. Johnson. Monsieur Bobinski. Quel plaisir de vous revoir. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé là ? En fait, on sait pas trop. On suppose un paradoxe temporel. Mais en vrai, on n'en sait rien du tout. Ok, et Johnson ? C'est bon, il est avec nous là. J'ai l'impression d'être le seul à ne pas comprendre. Bon, est-ce que t'as les infos que je t'ai demandé ? Oui, je les ai. Attends, il sait où est le dossier là ? Ah, à ton avis, pourquoi on est là ? La CIA l'a récupéré. Quoi ? On sait pas où il est le dossier, nous. Il est de la CIA, lui ? Oh, il va se calmer, le cow-boy ! On est avec personne, nous ! Phil, c'est bon, il est sûr. Le dossier se trouve dans leur salle des archives. Qu'est-ce qu'il fout là ? La meilleure des cachettes est souvent à la vue de tous. Mais vous inquiétez pas. Et j'ai un plan. Suivez-moi. Tu vas pas t'entraîner, toi ? L'androïde n'a pas besoin d'entraînement. Il est déjà programmé pour toutes les formes de combat. Presque toutes les formes de combat. Ok. Vous êtes combien là-dedans ? Trois. On est trois. Ça rien de mieux qu'un bon café, quoi. Même si l'avenir est sombre, le café sera toujours la paume réchauffée. Pour m'accompagner dans les moments difficiles. Pour m'emmener dans cette quête à un monde meilleur. Et j'écris beaucoup sur le café. Je vais te dire un verre. Café, tu es comme un soleil qui brille un matin d'été et qui réchauffe mon cœur par sa simple présence. Ah, il me fait vibrer le café, c'est ma joie, c'est mon envie de gueuler, mon envie de tout casser, mais mon envie aussi d'aimer les gens, de sauver le monde. De sauter dans l'eau, pourquoi pas, tu vois. C'est mon café. On lui dit, ça va faire mal. Quoi ? Il n'y a plus de café ! Enfin si, il reste du mocha. Vous êtes au courant qu'il est imbuvable, votre mocha à la vanille ? Mais oui ! On sait ! Il n'y a plus de café. Ok, on va récupérer ce putain de dossier et on va les exploser, ces Nyx à la con.
Ok. Vous étiez au courant pour le café ? Le café ? Ok, pas de temps à perdre. On passe à l'action. Quoi, mon attendant d'avis ? Alors, oui. Oui, oui, alors... comment dire ça ? Ton grand-père s'est fait attraper par la CIA. Vas-y, frappe. Quoi ? Il faut les sauver ! Non, écoute, Mélia, on n'a pas le temps, faut sauver le café. Faut sauver le monde. Mais attends, tu veux pas le laisser ? Attends, Mélia, si je m'en suis sorti, il s'en sortira. C'est lui qui m'a tout appris. T'as pas le droit. Est-ce qu'il m'a aidé, lui ? C'était différent, trop dangereux. Et ben là, c'est pareil. C'est trop dangereux. Promets-moi qu'il va s'en sortir. Promets-le-moi, Phil. Je te le promets. Y'a pas quelqu'un qui a une autre bouteille d'eau, s'il vous plaît, j'en ai plus. Non ? C'est quoi cette connerie ? Tu sais que c'est mauvais pour la santé, ces conneries ? Pourquoi tu souris ? Ça va peut-être paraître bizarre, mais depuis que tout ça a commencé, je me sens bien. Comment ça ? Je crois que j'ai rien fait de me sortir de la porte. Juste sortir de ton appart. Ma routine. De ton lit. Je crois que je me sens bien. T'as repensé à ce qu'elle a dit à Brian ? Je suis inquiète pour mon grand-père. Je te rappelle, à un moment, il a parlé de sentiments forts. J'espère qu'il a rien. Tu sais, j'avais pensé, après tout ça, on aurait peut-être pu aller boire un verre. Tu sais quoi ? C'est à cause de la CIA, tout ça. Non, t'inquiète, je vais le sauver. On va le sauver. C'est la CIA ? Mais je vais te dire un truc, ils préparent un complot avec des extraterrestres. Et pire que ça, ils ont dézingué leur agent, la Banowski. T'as lu ça, lui ? Arrête avec les fake news. Je veux dire, ça n'a vraiment n'importe quoi, putain. Et du coup, t'as confiance dans le plan de Phil ? Bob, on n'a pas le choix. C'est notre seule chance. C'est notre seule chance. Mélia, tu rentres par l'arrière du bâtiment. Étape 1. Ok, je suis devant. Pendant ce temps, toi, Bob, tu rentres par la grande porte. Bien se passer. Ok.
Si ça tourne mal. Ah, si ça tourne mal, on sera ensemble. Par exemple, tu veux dire que... Bon. Prépare-toi. Ça va être énorme. Et là, commence l'étape 2. La prise d'otage. Retiens tout le monde en salle, on ferme ta gueule! On ferme ta gueule en salle, toi en salle! Allez, allez, allez! Bon, allez, on fait comme on l'a dit! Expresso 1, tu viens avec moi, on va chercher le dossier! Expresso 2, tu restes avec Chris Reta et vous gardez les otages, ok? Ouais, ok, reste sur 2-2. Ok! Putain, l'air de pas la merde! C'est là! Normalement, les renforts devraient mettre 2 minutes 35. Ou 36. Tout dépend. Ok, les enfants, je vous explique le plan! Si personne ne bouge, on vous fera aucun mal, ça marche? Ouais, mais si vous vous levez, on vous dérouille la gueule. Phil, y'a pas de touche C. Y'a jamais eu de touche C. C'est quoi ça? C'est un piège. Phil, est-ce que tu m'entends? Il est ruiné. Right up on, John McIntosh. Mon travail est terminé, monsieur Erickson.